Alors on va essayer le Elite 5 avant de faire le Elite 4. Là on est sur un modèle qui est plutôt, plutôt sympa en fait. On est sur un quad-core 1 GHz. Donc là celui-là on aura bien téléphone qui est 2G, 3G et 4G. Bien, donc pareil, comme toujours. En fonction de la zone ZD, vous allez pouvoir choisir les fréquences. Deux caméras de 13 millions de pixels, enfin, une caméra de 13, une caméra de 8, 1 Go de RAM, 6 Go de ROM. Donc on va être sur une petite configuration. Bah oui, s'amuser avec le dino là, ça me perturbe moi. Pour ma vie près. Alors ensuite, 1 giga, donc l'écran 5,5 pouces et une batterie de 4000 mAh. Donc là on aura une grosse batterie, donc là ça va être vraiment le gros intérêt. Bon, vous avez vu le téléphone en plus, il s'ouvre. Donc finition qui est quand même plutôt plastique hein, dans l'ensemble. Téléphone qui va pas être super haut de gamme, mais qui a l'air assez complet. Ici, on va revenir là. On va venir un petit peu dessus. Et où il y a le téléphone. Bon, un téléphone qui est plutôt sympa. Et enfin, on va finir, à mon avis, la journée chez Lego avec le Elite 4. Ici, donc un téléphone qu'on n'a pas encore vu. Hein. On s'est vraiment arrêté au Elite 2. Et on était venu surtout voir le Elite 3. Alors, on va se retrouver avec un processeur, un quad-core 1 giga. Donc, alors, on est vraiment sur des petites configurations là. Hein. Vous voyez, sur les 4 et 5, on est quand même mieux. On était quand même mieux loti avec le Elite 3 qu'on a vu juste là-bas derrière. Ici, donc 2G, 3G, 4G, 1 giga de RAM plus 8 giga de ROM, caméra 8 plus 5. Donc, petite configuration. Un écran 5 pouces, la batterie de 2400 mAh. Ici, une présentation qui est correcte, un contour qui est en plastique, avec une espèce de bordure en faux aluminium. Ici, donc là, on remarque bien qu'il est 4G. Donc c'est vrai que l'arrivée en fait, des processeurs des 6732, 6752, on a quand même la possibilité d'avoir beaucoup plus de téléphones qu'on a 4G. Mais voilà, là on est sûrement sur ces modèles-là, le 2, 5, 4, on va vraiment être sur la petite configuration. Le plus intéressant, je pense, pour nous, et comme on l'a pu voir, c'est le Elite 3 qu'on a vu tout à l'heure en face. On essaiera de voir. On a le mail directement du manager. On va continuer comme ça. Après, on se retrouvera sur la gamme Elite, donc surtout avec le Elite 3 qui nous intéresse aujourd'hui. Et on va continuer maintenant les autres stands.